On va suivre un peu avec les petites phrases ou les petits mots qu'on a commencé la dernière fois. Ok, aujourd'hui, on va voir ces petits mots-là. Aussi, chez, avec, même et. Mais tous ces mots-là, en bas ça, il n'y en a que deux. Les deux là parlent de ça. Vous voyez, en français, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En bas ça, il y en a deux. Donc ça correspond à ça. Et ici, il y a plusieurs qui signifient la même chose. Donc, en bas ça, il y a yak et ni. Ok? Donc on va faire un jeu. On va faire un jeu. Les gens vont me dire à quoi correspond chaque ici. Donc vous allez me dire qu'est-ce que yak correspond ici et qu'est-ce que ni correspond ici. Aussi yak. Yak. Ok, très bien, Jacqueline. Yak. Ok. Yak. Très bien, Maman Esther. Avec ni. Ok, avec ni. Très bien. Même. Yak. Yak. Yes. Alors, et c'est quoi? Il m'a demandé avant. Et c'est ni. Ok, ni. Et c'est ni. Très bien, ni. Ok. Donc, vous vous rendez compte que yak peut signifier aussi, ça peut signifier chez et ça peut signifier même. D'accord? Donc, à chaque utilisation, ça ne sera pas pareil. Donc, il y aura des différences. Quand vous allez commencer à former les petites phrases, il y aura des différences. Donc, quand on utilise yak comme chez, ça ne sera pas pareil après. Ok? Donc, et ni, on dit, ça veut dire avec. Et ni aussi, ça veut dire et en français. Ok? Donc, copiez ça, vous mettez ça à côté, et vous retenez ça, d'accord? Maintenant, on va faire un petit rappel. Oui. J'ai une question. Mais, avec, ça aussi une autre explication, non? On parle, on dit avec, on ne dit pas l'ogni. Oui, peut-être avec moi, je vais dire l'ogni, mais. Oh, tu peux le dire. Est-ce qu'Alphonse ou Eugène peuvent nous éclairer là-dessus, de ce que... Jacqueline vient de soulever comme questionnement. Après, je peux juste dire que c'est une variante. Hein. Ben, j'étais juste en train de compléter la réponse que vous avez donnée à Jacqueline en disant l'eau. Ici, tu ne viendras pas le remplacer par la conjonction et que tu es en train de faire dans le sens que l'eau, ça veut dire que ensemble, l'eau, nous sommes ensemble. Ok. Dans l'ensemble, là, il faut que ce soit quelque chose de présent, de conjoint. Alors que le « et », c'est juste une conjonction. Mais ni Albert, ni Nyan, nous ne sommes pas ensemble en ce moment. J'avais l'eau. On n'est pas en train de faire quelque chose dans un ensemble. On est juste dans une conjonction de quelque chose qui se rapproche. Mais dans le parler, Jacqueline, comme je disais, c'est « tu entends les gens le dire ». Mais il l'omni. Mais très souvent, mais il l'omni. Ce sera vraiment dans le présent. Personne, c'est rare que quelqu'un te dise, mais il l'omni. Manqué,
alors que son frère est en Europe, lui en Afrique. Ils vont être ensemble en ce moment. Alors que moi et mon frère fait n'importe où, mais nous sommes dans une convention. Ok. Merci Eugène. On va faire une petite révision sur les pronoms comme complément. Parce que c'est ça qu'on va utiliser majoritairement aujourd'hui pour voir comment ces choses-ci s'utilisent. Placer avant et après. C'est là où ça peut faire la différence. Souvent, ça change le pronom comme complément dans la prononciation. Ok? Donc, vous allez voir que en utilisant yak ou ni, en fonction de ce que vous utilisez ici, je, avec, même, ça peut changer votre façon de le dire. Ça s'allonge souvent. Ok? Parce que si vous n'allongez pas vos paroles, ça peut signifier autre chose. D'accord? Petit rappel, qui me donne, si quelqu'un connaît un, qu'il me donne. Donc, moi, me, toi, te, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Hein, Ayane? Ok, mais. Donc, c'est très bien, retenez ça. Quand on ne conjugue pas, moi, me, c'est mais. C'est la même chose même en conjugaison, je, c'est mais. Toi, te, c'est ouais. Il ou elle, c'est nye. Pour des choses, c'est yo. Nous, c'est bis. Ok. Vous, c'est b. Eux ou elle, c'est bo. Et pour les choses, c'est guo. Ok. Sandy Lamborwa, Sona.